La Direction régionale de santé publique a mandaté l'Université Laval afin de dresser un portrait plus clair des effets sociaux et individuels de la fonderie Orne sur la population. La Cour supérieure approuve l'entente de règlement et les victimes pourront recevoir plus de 9 millions de dollars. Accusé du meurtre de Sylvain Lizotte, Sonny Vincent devra attendre jusqu'au 9 octobre pour connaître la suite des procédures. Le conducteur d'âge mineur aurait dévié de sa voie avec son cyclomoteur avant d'entrer en collision avec un véhicule. Des élus municipaux ont annoncé qu'un terrain a été trouvé dans la municipalité pour tenir partiellement l'événement en 2026.